Allez tout le monde, c'est l'heure d'entonner l'hymne de la guilde. Eh dis donc Pijako, il manquerait pas quelqu'un? L'équipe Oustichou est-elle encore en train de dormir? Ramboum, tu peux te faire plaisir. Le soleil vient de se lever, levez-vous bande de feignasses. Bordel, il voudra jamais la paix. Je me lâcherai jamais. Mon travail est accompli. Bien joué, Ramboum. J'arrive. Il s'agirait peut-être d'aller se coucher plus tôt la prochaine fois. Ah, mais... Enfin bref, grand maître gros loulou, c'est à vous. Merci, Pijako. Ami du jour, bonjour. C'est parti pour les encouragements matinaux. Et un, et deux, et trois. Un, sans travail, pas de médaille. Deux, les froussards au placard. Moustigram, au placard. Trois, garde le sourire pour réussir. Belle performance, tout le monde. Allez au travail, vous avez pas que ça à faire. Prenez votre poste. Mais tout de suite. Pijako, pitié, ne m'utilisez pas comme fouet. Ah, vous deux. Nous? Oui, vous. Direction l'étage. Pourquoi? Vous avez quelque chose à nous dire? Cette fois, vous allez faire une mission de l'autre tableau, à notre gauche en sortant. Une, deux, trois, quatre, cinq, six... Ce tableau, il y a des dessins de Pokémon ici. C'est pour les secourir? Absolument pas. Il s'agit de criminels. Vous avez dit criminels? Effectivement, il y a l'air d'avoir de grosses primes en gros plan. En effet, nous avons d'étroits contacts avec la police Magnézone. Elle nous fait confiance pour capturer ces personnes recherchées en leur faisant gentiment comprendre de ne pas déconner avec la loi. Et vous... Vous voulez qu'on aille se battre contre ces criminels? Nous! Mais on est censé être des explorateurs, pas des policiers! Eh ben, on sait comment s'amuser à la guilde! Oui! Mais je vais pas me battre contre des criminels! Ils sont dangereux! Ça fait partie de votre entraînement. Vous avez été plutôt tranquille jusque-là, mais il faudra bien vous confronter à des Pokémon hostiles un jour ou l'autre. Il y a de plus en plus de criminels, car comme vous le savez, le temps se détraque. Hein? Comment ça, le temps se détraque? Vous vivez dans une grotte ou bien... falaise. Le temps ne s'écoule plus normalement dans certaines zones. Quoi? Ça rend les Pokémon qui y vivent fous et même agressifs. Attendez, vous voulez dire que je vis dans un monde où le temps ne s'écoule plus normalement et du coup ça rend les gens complètement tarés? Mais dans quel monde je vis? Nous vivons dans un monde de Pokémon. Chaque jour qui passe, c'est un jour à explorer. Nous vivons dans un monde de Pokémon. C'est pour gagner de la monnaie, même si le temps s'est détraqué. Pokémon! C'était quoi ça? C'est une encore meilleure performance, mais dégagez tout le monde et rejoignez tous votre poste! Des secousses? Apportez la drogue du gros maître, sinon on est tous morts. Oh, oh merde! Oh merde! Que l'entends, tu es là? Oui, Pijako? Fais leur un topo des avis de recherche et trouve leur une mission! Je dois descendre de toute urgence! Oh, oh, très bien! Maître, calmez-vous! Papa, ça va! Il m'a montré une crise! Procédure d'évacuation enclenchée! Procédure d'évacuation enclenchée! Ouais! Wouhou! Ouais! T'as compris ce qui se passe? Que dalle. Hey, Kenotor, pourquoi tu te roules par terre? Oh, vous inquiétez pas, ça fait du bien de plus être le bleu de service et en plus on me confie les nouveaux. Oh, c'est comme un vœu qui se réalise. C'est super. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Vous me demandez à moi? Oui, pour sûr. Faudrait peut-être choisir un criminel à appréhender. À qui casser la tronche? Oui. Oh, vous connaissez l'astuce? Situation rétablie! Situation rétablie! Retournez à vos postes! Ah! Ah! Mise à jour, le tableau des primes en cours! Projet! Oh non, ça va! Oh, oh, c'est pas de bol! Mais c'est surtout pas de retirer tes doigts! Mais c'était quoi? Ça? Oh, c'est juste Ryupiker, le papa de Topiker qui met à jour le tableau tous les matins depuis un tunnel caché derrière.
Oui, il s'y prend tard cette fois. Ok. Ah, mais du coup, on est un petit peu baisé là. Bof. Le temps qu'il le fasse, il y a moyen de vous préparer à la mission et vous choisirez le criminel au retour. Bonne idée. Oh, j'en profitais pour faire visiter pour trésor à Raphaël. Allez, viens avec moi. Ça marche. Allez, à toute, Clonator. Ouais. Et tada! Voici Bourg-Trésor. Eh, c'est animé. Oui, d'ailleurs, cette ville nous offre pas mal de services. Comme la banque Skelenox, à droite par exemple. Bienvenue, explorateur. Souhaitez-vous souscrire à une assurance vie? Non. Merci, bonne journée. Au revoir. Une assurance vie? Oui, mais pour lui. Si tu meurs, il prend tout l'argent que tu as déposé chez lui. Ah! Mais du coup, tu sais où on va? Et notre destination, c'est la tente verte là-bas, derrière le pont. Bonjour! Bienvenue chez Kaku! Et Léon! C'est moi, Léon! Bonjour! Alors, il veut quelque chose, le macaque? Eh, il va se calmer, le caméléon, là! Oui! Qu'est-ce que vous avez? Alors, j'ai des provisions, surtout des pommes, mais elles partent vite, par contre, aujourd'hui. D'accord. C'est tout ce que vous avez aujourd'hui? Tenez, ce sont des graines à jardiner dans ce panier? Mais non, mais pas du tout, c'est pour Miam Miam! Regarde, tu prends et tu mets dans ta bouche comme ça! Calme! Oh, mais Wistikram, hein, ce badge, j'avais pas vu! Hein? Tu caches des trucs! Quoi? Fais une justification pour ce recrutement, Wistikram! Oh, c'est gentil, merci! Et toi, t'es son assistant, c'est ça, hein? Ouais, on va dire ça. Je m'appelle Raphaël. Ah! Alors pioche dans ce tas de graines, c'est cadeau de la maison! Oh! Merci! Merci! Ah, je dois choisir. C'est pas pourtant toutes les mêmes? Ah non. Chaque type possède des propriétés aux effets divers et variés. Oui, prends pas tout. Oui. Au pire, elle a une bonne gueule, celle-là, je la prends. Voilà. Cette forme, une folie graine, elle rend celui qui la mange complètement... Complètement défoncé. Mais c'est complètement con. C'est donc ça, un cadeau empoisonné? Ah, c'est pas forcément à vous de la manger, si vous voyez ce que je veux dire. Clin d'œil, clin d'œil. Vous la glissez dans un verre. Mmh. Oh. Oh, je me vengerai bien de Ramboum, là. Tu peux la tenir, Wisty? Bien sûr, donne-la-moi. Bonjour, Monsieur Kaku. Bonjour, Monsieur Léon. Bonjour, bonjour. Les petites azuris, les marils. Comment ça va? Pour vous? Comment ça va? Nous allons bien. J'attends l'eau, là. J'attends l'eau. Vous avez une pomme, monsieur, s'il vous plaît? Oui, il m'en reste quelques-unes. Tenez. Et voilà les sous. Merci. Au revoir. À bientôt. À plus, les ririls. Leur mère est malade, alors elles font les courses à sa place. Comme c'est gentil. Monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une pomme en trop. Vous nous en avez donné deux. Ah, eh bien, régalez-vous avec. C'est cadeau. Vraiment? Aucun produit n'est repris. Ouais, merci. Au revoir. La pomme. Je l'ai. Tiens, Maril. Merci, mais Maril, c'est ma grande sœur. Moi, c'est Azuril. J'ai tenté, désolé. Moi, c'est... Raphaël, quelqu'un a crié? Quelqu'un a crié? J'ai comme entendu un enfant crier à l'aide. J'ai rien entendu, moi. Mais je suis sûr de l'avoir entendu. D'accord. Allez, Azuril, rentrons à la maison. Oui. Au revoir. Tu donnes la pomme. Oh, s'il te plaît. Et vous, les Kéclérons, vous avez entendu un cri? Non. Si, le gros lourdeau, là! Lui, on l'entend hurler de la guilde depuis 2 jours au moins. Mais non, un appel à l'aide. Nope. Pas du tout. Je crois que tu as besoin de sommeil, Raphaël. Allez, retournons voir Kunotor. Dis, tu crois pas que c'est la graine qui l'a rendu fou? Quoi, déjà? Mais il a même pas croqué dedans! Ah ouais, j'avoue. Tiens, les Ririls sont en train de discuter avec un Pokémon. Les Ririls? Oui, Azuril et Maril. Elles sont devant nous, là-bas. Tu les vois? Génial! Trop bien! De rien, les enfants. Ce serait honteux de ne pas aider des bambins quand on le peut. Bonjour! Il se passe quelque chose? Oh, bonjour! Recoucou! Monsieur Soporifique nous a proposé son aide. Ah bon? Oui. Nous avons perdu un hydroflotteur. Il nous aide à le récupérer. Ah! Bon. Allons-y, monsieur. On y va? Très bien. Je vous montre le chemin. Aïe! Attention où vous marchez! Oh, pardon.
Est-ce que je vous ai parlé du monde imaginaire ? Ça fait du bien de voir qu'il y a encore des gens serviables. Raphaël ? Oh, ça, demande pas encore. Ça recommence. Si tu continues comme ça, tu vas avoir de gros ennuis. Raphaël ? Raphaël, qu'est-ce qui se passe ? Ah, Azuril ! Je suis Wistikram. Wistikram ! Azuril est en danger ! Quoi ? Soporifique lui fait du mal dans les montagnes ! Soporifique ? Genre, celui qui vient de partir il n'y a pas 30 secondes ? Voyons, Raphaël, il a l'air gentil comme tout. Tu sais quoi ? Je crois que tu as vraiment besoin de te changer les idées. T'es sûr ? Ça m'avait l'air si réel. En plus, j'imagine mal un Pokémon comme lui faire du mal à qui que ce soit. Bon, d'accord. Ah, mais je t'avoue que ça me taraude. Allez, remontons voir Cunotor à la guilde. Oh non ! Mais je vais finir par être crevé avant même de partir en mission avec cet escalier de mes deux, là ! Non ! Mais c'est simple pourtant ! Propulse-toi avec tes pattes arrière et réceptionne-toi avec tes pattes avant. Jamais de la vie ! Te propose un défi. Le premier qui arrive au sommet de la guilde devient le meneur de l'équipe. Allez, 3, 2, 1, mais c'est parti ! Attends, mais... Oh, l'enfoiré ! Mais enfin ! Vous voilà ! Ouais. La mise à jour n'est toujours pas finie ? Non. Mise à jour du tableau des primes terminée ! Écartez-vous ! Oh putain, libre ! Je suis libre ! Eh, du coup, on va pouvoir choisir votre cible ! Allez, plouf, plouf. 1, 2, 3, 4, 5, le méchant pas gentil, c'est toi ! Oui, il a l'air pas mal. Wistikram, pourquoi ton copain tremble comme ça ? Ce n'est rien, il lui est arrivé un petit truc tout à l'heure. Il est juste fatigué. Je crois que je vais aller me coucher. Je vais aussi soporifique sur cet avis de recherche. Bonne nuit. Quoi ? Oh non ! Hein ? Raphaël, c'est lui ! Ah putain, j'en étais sûr ! Azuril est en danger ! Elle était où ? Une montagne rocheuse avec une impasse. Ouais, je crois bien que c'est le mont Hérissé. Allons-y ! Mais enfin, s'attaquer à un rancé si tôt, ça dépasse l'entendement. Les copains ? Je vois Marie en bas. Ah ! Ouais ! Oula, ça va ? Wistikram, Raphaël, vous n'avez pas vu ma sœur et Soporifique ? Je les ai accompagnés au mont Hérissé, mais je me suis perdue et je me suis retrouvée ici. Maril, Azuril est en danger avec Soporifique. Quoi ? Comment ça ? Soporifique est un criminel recherché. Oh non ! Aidez ma sœur, s'il vous plaît ! Montre-nous chemin. Ah, voilà le sommet. Monsieur Soporifique, vous êtes sûr que c'est ici ? Je vois toujours pas notre hydro-pas-carboneur. L'hydrochose ? Non. Bon, qu'est-ce qu'on fait là, alors ? Désolée, petite, mais tu ne le trouveras pas ici. Mais... Et où est ma grande sœur ? Elle n'est pas ici. En fait, j'ai plutôt un service à te demander, petite. Tu vois ce trou au pied du mur ? On raconte qu'il y a un fabuleux trésor à l'intérieur. Si tu m'aides à le décoter, je te ramènerai à la maison. Non ! Tu veux ma grande sœur ? Allez, rentre dans le trou ! Sinon... Grande sœur ! Si tu continues comme ça, tu vas avoir de gros ennuis. Allez ! Personne ne viendra te chercher, petite. Alors obéis. Ça suffit, Soporifique ! Qu'est-ce que... Relâche Azuril, l'enfoiré ! Oui, laisse Azuril tranquille. Oh, c'est vous. J'ignore comment vous m'avez retrouvé. Mais je vous conseille de déguerpir vite fait, sinon... Sinon quoi ? On est une équipe d'exploration et on n'a pas peur de toi. Et t'as une belle prime sur le coin de la figure. Par contre, lâche mon épaule, ça fait mal. Oh, pardon. Sinon, je lui fais du mal. Non ! C'est moi ! Oh, tu trembles, Wistikram ? Oh, tu fais partie d'une équipe d'exploration. Mais vous êtes tous les deux de la bleusaille des amateurs. Je peux facilement vous donner une raclée. Personne n'est parvenu à me capturer. Oh non, Raphaël. Il tient Azuril en otage. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je sais pas. On a rien pour lui faire lâcher prise. Où est-ce que je l'ai mise ? Allez, oust ! Je t'assure que tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Pédophile ! N'avance pas ! Ou je... Aïe ! Oh.
La folie graine. Bien joué, Wisty Crab. Azuril, profites-en. Ah, qu'est-ce que tu m'as fait? Je me sens tout. Le marchand avait raison, il attaque au hasard. Appliquons l'astuce de Pijaku. Oui. Allez, prends ça. Et ça. Allez, encore. Assez. Merci. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Wisty, c'est pas leur pensée. Allez. Mais réveille-toi, bordel. C'est entre nous deux maintenant. Tu kidnappes des enfants et tu endors les gens? Mais ça va pas bien là-haut. Ah, mais bouge pas. Je bouge pas. Ah, écrase-passe. Aïe. Tu peux pas t'en tirer comme ça. Soporifique. Bon, j'ai pas toute la journée. Écrase-passe. Oh non. Ma tête. Retraite. Aïe, mais que... Regarde-toi. Une pêche-nette. Tu cours te cacher derrière ce tas de cailloux. Aïe. Qu'est-ce qui fait mal, ce bâtard? J'ai même pas pu éviter une simple baffe. Mince, le contact avec sa peau m'a paralysé. S'il m'approche... Oui. Si tu veux fuir avec un minimum de dignité, utilise au moins tes pattes avant. N'écoute pas. Je veux pas les laisser là. Mais je fais pas le poids. Mes mains tremblent. Petit rat pâteau. Wisty, tu m'as dit propulsion patte arrière. Ah, enfin. C'est qu'il n'est pas bête, le campagnol. Oh bordel, qu'est-ce que je m'apprête à faire? Allez, pars! Je pourrais reprendre là où j'en étais avec la mignonnette. Non! Laisse-moi sortir tranquille! Espèce de sale méchant! Wow. Ah, foule la paix, espèce de malade mentale! Raphaël! Il est passé par-dessus le tas de cailloux! Mais je ne suis pas. Alors le coup des pattes, je voulais pas savoir. Mais balancer des éclairs, alors là. Hey, en plus, c'est pas si compliqué. Non, Rambo, pour 5 minutes. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Wisty Crab, ce porifique t'a endormi. Endormi? J'ai mal à la joue, moi. Il t'a mis une quiche aussi. Mais j'ai fini par l'avoir. Mais je vais t'apprendre à donner des tartes aux gens qui dorment. Vilain. Je vais même mieux. Azuril, tu peux sortir, c'est fini. Voyou. Grande sœur. J'ai eu si peur. Ça va aller, Sorette. Ça va aller. C'est fini. Merci, Raphaël et Wisty Crab. De rien, les frangines. Wisty, on te parle. Wisty. Wisty. Quoi? Oh, désolé. Une dernière pour la route. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On rentre? Ouais, on ramène aussi le connard et à nous la prime. Mais c'est pas un canard? Pourquoi un canard? Azuril, on dit le méchant. Restez poli, enfin. Oups. Oh, mais faut que je te raconte ce qui s'est passé, Wisty. Tu me croiras jamais. Ah bon? Vas-y. Alors il m'a mis une de ses mandales, mais j'ai suivi tes conseils et j'ai pu le contourner pour le repos et l'achever avec... Je vous adresse mes félicitations pour la capture de ce porifique. Nous transmettrons votre salaire bientôt. Merci. Avec le prélèvement de la guilde, évidemment. Oh. Vous comptiez y échapper? J'emmène ce fifrelin. Continuez comme ça. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Sauf toi, criminel. Bonne soirée, shérif Magnézone. Bonne soirée. En tout cas, vous êtes parvenu à vaincre un adversaire plutôt coriace. Allez manger, avec un petit bonus. Vous l'avez bien mérité. Maître Pijaku, je peux vous demander quelque chose?
Quoi donc ? Alors, est-ce que vous pouvez nous donner le top départ ? Mais quoi ? Comment ça ? Qu'est-ce que tu fais, Raphaël ? J'ai une revanche à prendre. Oh ? Oh ! Quand tu veux. Cette fois, j'ai mes chances. Hein ? Ah, vous êtes affligeant, équipe, où est-ce que puisque j'en suis là. En place. À vos marques. Prêt. Partez. Tu m'auras pas comme ça, Raphaël. Affligeant. Mais attends. Mais pousse pas comme ça, sinon on va tout. Ils sont prêts. Aïe. Mais affligeant. Allez, au dodo. Avec un orage pareil, ça va pas être de la tarte. Oui. D'ailleurs, il y avait carrément une tempête la veille de ton arrivée. Une grosse. Ah bon? Je me serais retrouvé au beau milieu de ce bazar. Peut-être que ça te reviendra. En tout cas, je suis super content qu'on ait pu sauver Azuril. On n'y est pas allé mollo. Ce porifique pouvait même plus ouvrir sa bouche. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Tu vois quand je disais pas n'importe quoi. Raphaël, est-ce que je peux te poser une question ? Mm-hmm. Ce qui t'est arrivé tout à l'heure, tu as eu comme une espèce de... vision. Faut croire. C'était exactement le même endroit. Soporifique et Azuril paraissaient pareils que dans mes souvenirs. Mais c'est bizarre. Peut-être que c'est une capacité Pokémon que tu possèdes. Ou alors, peut-être que tous les humains ont des pouvoirs comme ça. Oula, trop de questions d'un coup. Et... j'en sais rien. Je me demandais aussi, Wistikram. Il a dit quoi, Pijako, ce matin ? Le temps, les Pokémon méchants. Tu ne le sais pas, du coup. Mais normalement, au sein de notre monde, le flot du temps est régi par les rouages du temps. Les rouages du temps ? Ce sont des artefacts répartis dans le monde. Il paraît que si l'on retire un rouage de son emplacement, le temps s'arrêtera carrément dans la région. Effrayant. J'espère que personne n'est assez baisé de la tête pour tenter de s'en emparer. Personne. Même les plus endurcis ne le font pas. Ils savent que personne ne plaisante à ce sujet. Alors, d'où vient le problème ? On l'ignore. C'est ce qui inquiète tout le monde. Génial. Je suis un humain amnésique, transformé en Pokémon dans un monde où tout part en vrille et personne n'y comprend rien. Allez, bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Enfin. Enfin. Le premier rouage du temps. Tu n'attendais que moi. Autour des autres. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.